am, and I don't wanna go. Stomach doing somersaults inside my head. They pull up outside, but I'm not ready to feel alive. Can I just go back to bed? The social obligation, it takes a firm grip and yanks me by the wrist through the door. And now I'm here, I'm dancing like they've never seen. We're all saying pour a little more. We live for staying out late. Get enough. And some days are good and others get me down, but I try not to let it get the best of me. Yeah, I thought I was broken, I felt so alone, but now I know I'm not the only one with anxiety. We live for staying out late. Ouais, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour la suite de la partie. On a débuté la troisième saison de deuxième div. On est 9ème, une victoire, une défaite. C'est pas trop mal. Donc là on continue. On continue la game. Ils ont Tai Chong, Herbie Kane, c'est le Harry Kane de chez Wish. Donc là j'ai changé de co, j'ai fait un autre système, alors j'espère que ça marchera mieux. Comme Barnsley qui joue en 3-5-2. Ils sont combien? 10. Ah, et le contre. Dommage. Je me suis branché directement avec un câble Ethernet. Je suis prélevé à la source. Enfin, je prélève à la source. Et merde.
c'est pas bon ça. Après l'objectif c'est pas de monter directement non plus, faut qu'on s'installe un peu en D2. Déjà, voir ce qu'on vaut. Allez, Gotch contre-attaque. Oh, il passe. Ah, t'as un Duntable. Putain, on est pas dégueulasse. Mais on perd à la mi-temps. Oh là 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 là. L'erreur de main du goal. C'est pas la première boulette qu'il me fait, il va aller sur le banc si ça continue comme ça. C'est sévère. Je trouve le score très sévère. L'action pour eux, il n'y a pas hors-jeu. Ouais, 3 euros, ça commence à faire mal. Attends, j'ai mis quelle équipe moi. Evans, je le mets titulaire, il est pas bon pour son premier match. Stewart transparent. Oh là 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 là. C'est une correction là. Six tirs carrés, 4 buts. Y a que Curtis qui fait son match. Ah, quand même. Ouais, bon. On a perdu, ça c'est sûr. Allez, Gotch. Stewart, le doublé, le doublé de Stewart. Écoute, on va pousser un peu plus, hein, c'est jamais. Hein. Soir mal entendu, ça peut passer. Soir mal entendu, ça peut passer. 4-3, on perdait 4-0 et à la 50e. 60. J'ai pas envie de sortir Stewart, s'il a mis un doublé, il est en pleine confiance. Bienvenue à ceux qui sont sur live, n'hésitez pas à me follow, à discuter dans le chat. Ça c'est bien ça. Oh là là, 4-4, incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont fait Barnsley mais
Soit on s'est réveillé ou soit ils ont baissé le pied, mais peut-être les deux, mais incroyable. Bon, attention 4-4, mais match hors-jeu, hors-jeu. Attends, largement. Tranquille, mon gars. Bon, attends, et statistiquement, on mérite. Ouais, très grosse remontada là. Bon, dommage pour on gagne pas 5-4, mais sacré exploit. Gotch, homme du match, deux passes D, un but. On est combien du coup? 10, ouais. Stewart met un buteur. Pour l'instant. En termes de mercato, c'est plutôt calme. Tommy, si t'es, si t'es sur le live, hein. Actuellement, n'hésite pas à venir discuter avec moi dans le chat. Supporter lyonnais. Y a pas de soucis. Moi, je fais des prêts, j'ai vendu lui. Est-ce que vous voulez à trouver un club, tiens? Ah, il joue à Swindon. En D4, non? Ouais, D4. Bon, c'est plus son niveau maintenant. Ah, c'est vrai que Donatien, je le vends. Bah, l'offre me paraît pas mal, hein. Défenseur droit, il m'en faut rien. Acheter sur Cavalry, ouais, c'est vrai.
était pas cher, puis il me paraissait pas trop mal pour de la rotation. Donc à voir. Sinon, il y a qui d'autre? Ah ouais, Jenkinson, je pense à lui aussi. Ken Wilson. On va regarder. J'espère que si on est sur le, qui sont sur live, vous avez passé une bonne semaine, un bon dimanche. Que vous passez un bon dimanche. En mode chill, tranquille, sans prise de tête. Alors, Kim Pioca qui retourne au pays. Pour 100 000. Franchement, vu le niveau qu'il a, c'est largement à Cavalry. Bon, elle a pas l'air ouf. Hein. Je sais pas Cavalry, je connais, donc allez, vas-y, on accepte. Parce que j'ai pas trop d'autres options. Jenkinson, il peut être bien, mais il a déjà 30 ans. Cavalry peut faire déjà 2 ans avec nous. Si on se maintient en D2. Ouais, en plus, il a un bon rapport. Pour même pas 100 000 balles. Ah oui, si, c'est bien. Manque juste un peu de marquage, de passe, de centre. Alors, super sub, c'est nickel. Donc il est considéré comme étranger. Parce qu'il est guadeloupéen, je pense. Ah, une lettre près, il s'appelait Malakai Black. Rien que pour ça, il peut venir chez moi. Le messager de Dieu. Enfin, Malakai qui veut dire le messager de Dieu en hébreu, je crois. Si je dis pas de bêtises. Chesterfield. Bon, c'est le troisième goal après. Ouais, j'ai déjà un goal en U23, je peux le prêter.
On va faire le gros rat. On va mettre l'œuf de base. Bah, c'était l'œuf que tu m'avais fait. Bon, bah laisse tomber. Sur qui joue Félix au PSG, tac tac tac. Nagbri Manchester United, United. Joshua Wagnoman au Hertha Berlin, 60 millions. Kevin Bridge qui augmente bien. Ah, du coup, c'est un autre club qui veut le prendre. Ouais, laisse tomber, on va dire oui. Alors du coup Dimitri Cavari, ouais, il peut dépanner, ouais. Très vite fait. Hein. Skonian, il a été dégueulasse ce dernier match. Evans, j'en peux plus, il est nul. Tavares. Gutsch, homme du match, au dernier match, le laisse. Puis voilà, Evans, ouais, voir mettre Flanagan. C'est quand même pris 4 buts au dernier match. J'ai envie de nous mettre Bridge. Finalement, on va mettre M sur le banc. Hop. Attends, je reviens, je vais chercher un mouchoir par contre. Derby County, c'est Wayne Rooney l'entraîneur. Attends, je regardais juste un truc. Non. Ouais, il était renvoyé, d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il entraîne quelque part lui? Non. C'est ce club-là qu'ils avaient, IRL, ils avaient plus beaucoup de joueurs professionnels.
Un truc dans le genre. Et c'est pas beaucoup de joueurs professionnels dans l'effectif. Et en plus, Onuone avait blessé un de ses joueurs à l'entraînement. True story de ouf. On va aller choper lui la balle. Qui se prend un coup. Ah, coup franc pour nous, Pritchard, allez hop, fait pareil à poudre. Et voilà, 1-0. Il y a du monde au stade, il y a du monde. Je vais sortir Bridge à la mi-temps. Ah, il m'a dit que je peux le laisser quand même. Bon. Oh, bien joué! Oh, la passe de Valero, elle est magnifique. Je pensais qu'il allait tirer, mais pas du tout. Curtis pour le 2-0. Allez, la contre-attaque. Centre, dommage. Bon, bah on est plutôt bien. Ne pas sortir, mais handicapé par une blessure avant de sortir quand même. C'est dangereux là ce qu'ils font. Mais ils ont toujours la balle. Attention. Ça pue le but pour eux, ça, l'action dure trop longtemps. Oh, il s'est rien passé. Enfin, j'ai rien vu personnellement. Faire rentrer Jamon. Il a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Attends, il est un peu décevant. Non, ouais, c'est pas ça, Curtis. Pritchard. Ouais. J'espère que ça n'a pas amené un but. Non, c'est bien même. J'ai peur des rallonges de Patterson maintenant par rapport au match où il a fait une grosse boulette. Oui, Tavares pour la passe pour Stewart et le but. Et ça fait 2-3. 3-0 France-Brésil. Oh, penalty! Stewart qui était boosté dans la surface sur le corner et qui va se charger lui-même du penalty. Bon, il va sûrement le louper. Voilà.
C'est incroyable. C'est peut-être bien le quatrième, cinquième penalty qui loupe du... qui tire depuis le début de la partie. C'est le quatrième qui loupe sur 5. Sans déconner. Heureusement qu'on menait 3-0. Ouais, il peut être... ouais, techniquement, il est faible quand même, il a que 22 ans donc. Et il est pas mal sinon. Gudge veut un nouveau contrat, il gagne combien? 24? Eh bah, pars. Oh le mec, c'est moi qui décide si tu prolonges ou pas, hein, si je te prolonge. Avec Zemagis, ça je le fais pas jouer. Je devrais. Gotch. Ouais, il fait un bon début de saison. Nil en prêt. Ouais, non. Patterson qui progresse. Donatien, ce fut un plaisir, mais tu te casses. Carles aligné au PSG. J'ai déjà eu dans FM, il est pas, il était pas tip top. Il avait des bonnes stats, mais il faisait pas des matchs terribles. Je pense que son jeu peut être très fort. Je peux l'avoir pour pas cher.
N'hésitez pas à venir dans le chat s'il y a du monde. Boyd, il est pas tout à fait remis. Cavaret sur le banc. Ils sont combien? 12. On va sortir un peu Willis. Valero, Tac, Curtis, Gutch. C'est les deux ailiers en forme en ce moment. Stewart, ça bouge pas. Valero portera le brassard. Des joueurs que je connais en face. J'ai pas le temps de voir. Allez, Curtis. Dommage. Non, je connais aucun. Allez, action pour nous. Ah non. Peut-être. Mince, j'ai cliqué sur une pub. Hop, désolé. Quand on clique sur les panneaux publicitaires, ça ouvre un lien sur internet et c'est chiant. Dommage. Qui se remet en retrait pour Tavares, le tir, dommage. Faire mieux. On peut faire mieux. Pritchard a pris un coup. Enfin, on se dit jamais un peu de Curtis. Corner pour nous. Ça donne rien, on a toujours la balle. Diamond qui dribble un joueur. Ah, il tombe. Non, pas penalty. On a finalement l'action et pour eux, le contre-attaque. Le centre, le tir, le but. Bon. Quand on va dire que c'est pas mérité. Franchement. Ah. Les stats encore une fois.
voici Fletcher. Ramener au moins le nul. Non. Jamon Diorant, il fait que de la merde. Il frappe mal, il perd la balle sur le but qu'on se prend. J'ai peur qu'il a atteint ses limites là. Pour moi, il met pas des titulaires pour l'instant. Bien joué ça. Les deux rentrants, Winchester et Fletcher qui marquent. Qui sont décisifs sur le but. Coaching payant. On va essayer de chercher la victoire. Parce que franchement, il y a moyen. Il y a largement moyen. Non. Tant pis. Au moins on accroche nul, on reste 9ème. C'est pas mal. Pritchard prend 2-3 semaines, bon tant pis. Ils sont combien Wigan? Ah, ils sont devant nous. Ah, les enflures. Bon, c'est une belle équipe aussi. Hein. Rotterdam maintenant 16ème, qui ont été promus avec nous aussi. Alors attends, Shane Flynn. Je vais vite fait, est-ce qu'il est parti? Il est parti bien une gamme, d'accord. En Skybet 2? Non, en Skybet 2. Ah bah non, Birmingham n'était pas descendu. Ah, ils ont dû sauver de justesse. N'hésitez pas, c'est du monde sur le live, à venir dans le chat. À me follow pour être au courant des prochains lives. En ce dimanche 19 septembre. Je vais live jusqu'à 17h maximum, parce qu'il y a le match de Rennes après, Marseille-Rennes. Gros gros match. Marseille par favori, logiquement. Après, attention, faut se méfier de Rennes, parce que sur le papier, c'est costaud. Hein. Le collectif est pas encore là, mais sur le papier, ça peut faire très mal. Mais Marseille aussi, ils ont recruté de très bons joueurs, et c'est une équipe dangereuse cette année. Cette année, elle peut faire quelque chose. Pourquoi pas faire une Coupe de France? Ce serait pas impossible. Parce qu'on voit bien le PSG contre Bruges, on voit bien que le PSG n'est pas invincible. Bon, le Rotterdam. Ça, c'est un Legend, ça? Ouais, Dominique Walker. Donc, Winchester va rentrer. Est-ce que je laisserai Curtis? Ouais.
c'est qu'elle m'a joué dans les matchs, concrètement. Onyen, il joue mal en ce moment. J'ai bien envie d'essayer Cavari. Je trouve pas tip top en ce moment. On va essayer Cavari. Ouais, pareil, les incidents hier à Lille, à Lens, contre Lille. Inacceptable. Comment, en tant que supporter, tu peux balancer des chaises sur des familles qui viennent de passer un bon moment dans un stade et tu reçois des chaises dans la gueule, c'est n'importe quoi. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de public à cause du Covid, et dès qu'il y a un retour du public, il y a déjà eu 2 envahissements de terrain depuis le début de la saison, c'est n'importe quoi. Il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, de toute façon. Tu peux avoir échauffourées. Enfin bref. Que ça se chauffe un peu entre supporters, parce que c'est un derby, mais... Avant tout, faut se comporter comme un... des gens civilisés, quoi. Avec ce que j'ai vu sur Twitter, des bouts de chaises qui sont lancés sur des familles qui sont venues assister tranquillement au match. Des saluts nazis. J'ai vu ça aussi. Ça, c'est intelligent, ça. Pour moi, ça, c'est pas des supporters. Mais bon, tant que la LFP va pas punir durement les... Oh tiens, bien joué. But de Curtis, une passe de Cavari, c'est nickel. Donc la LFP va pas mettre des sanctions sévères, ça continuera, hein, de toute façon. Moi je sais pas ce que je ferais vraiment, je sais pas ce qui peut être le mieux. Je suis pas le mieux placé pour le dire, mais... Je sais pas... Déjà des retraits de points sur l'équipe qui a foutu la merde, déjà ça calmerait. Parce que ça c'est pas histoire de savoir qui a commencé, qui... Le problème c'est qu'il y a eu des gestes dangereux dans les tribunes, il y a eu un arrondissement de terrain pendant un match et ça c'est pas normal. Donc... Faut des grosses sanctions pour que ça arrête, hein. De toute façon, si tu fais rien, ça continuera, c'est comme tout. Ah, dommage. Enfin, bref. Ce qui est fait, mais faut pas que ça recommence toutes les semaines. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. J'ai pris un coup, on va le sortir, on va faire entrer Pritchard aussi. Allez, hop. Oh putain. Oh oui. Il n'y avait plus de goal, là il s'est craqué. Gotch étant le blessé qui marque, mais de toute façon il va sortir. Nickel, 2-0. On serait barragiste, non? Jamon lâche ta balle, il est beaucoup dribbleur ce joueur. Il aime bien dribbler. Il récupère la balle. Willis. Valero pour Pritchard qui accélère son côté, qui va centrer pour Stewart, la tête et le but. Le goal qui n'a pas la main, c'est ferme. Stewart de la tête, il est imparable de toute façon. Si le tir est cadré déjà, son il met un but. on va faire entrer qui?
Un peu Fletcher. Il tire à 3, il n'y a rien à dire. Fletcher qui récupère, c'est très bien ça. Ouais, t'es frais mon grand. Dommage. C'est fini. Tac. On est sixième. Franchement, si on finit par Agis, ça sera très fort. Attends, ils sont où, Newcastle? Ah, ils sont 10. Götze blessé. Une à deux semaines. Gros match de Cavalry pour son tour en Angleterre. Oui, il a joué à Barnsley avant. Prête, partie de Rennes, Bartley, Sion, Vaduz. Et il vient réessayer une dernière fois l'Angleterre. Il a 27 ans. Il s'est dit c'est maintenant ou jamais. Bristol après 15e. Et après Stock du 22e et extérieur aussi. Attention, c'est parce qu'ils sont mal classés qu'il faut les prendre à la légère ces équipes. Les matchs extérieurs, j'ai beaucoup de mal généralement. Et là, j'en chie 3 matchs extérieurs, ça va être compliqué. Dans les 3, il y aura 100 000 de défaites. Jour du match. Non. Tac. Joueur de Sunderland dans l'équipe de la semaine. Fletcher, Caveray. Qui sont normalement remplaçants. West Ham qui mène contre Manchester United. En Ligue 1, qu'est-ce qui se passe? Nantes qui mène 3-1 contre Angers. D'accord. Ouais, Venezia Spezia, ouais.
Tac. Trois chapeaux appelés en sélection. Philippines, on va souhaiter que les sélections éclatées de toute façon. Quoique Guadeloupe, il y a quelques joueurs intéressants. En pro Gravillon, c'est pas mauvais. Attention. Qui était prêt à Reims. Ah mais dans le jeu. La pote à Lorient lui. Ah je croyais. Yvan Masson qui est à Saint-Etienne. Lini Nanguis qui a été formé à Caen. Il est rendu là lui. D'accord. Florent David, je connais pas trop. Claude Beauvue, ouais. D'accord. Bon, ils ont une sélection, ma foi. Pour une île d'Hompton qui est pas trop mal. Oh, du coup, mes transferts pour 100, ouais. J'ai plus dépensé que vendu, mais. Tavares, il valait le coup quand même, je pense. Il augmente déjà, donc. Allez, Bristol. Alors, deux Pritchard. Les deux Pritchard de. Ah non. On a 15 sur la touche. Ouais, le problème c'est qu'ils s'entendent pas trop bien, du coup c'est pour ça que je prends plein de buts. Ouais, ils affichent pas une bonne entente, donc je préfère éviter. Je préfère mettre Evans. Cavaré, je vais le laisser. Il mérite de rejouer. Il a bien joué de mémoire. Valero, Tavares, Winchester. Ouais. Embleton, il va gueuler, je pense, si je fais pas jouer. Je vais mettre Embleton. Curtis Pritchard Stewart. Ok. Ils ont Massengo, qui est un bon joueur en FM. Ils ont qui? Ils ont Wayman, si je dis pas de conneries, c'est un Autrichien. Je pense que Massengo, si vous faites une partie, il peut être très intéressant. Ouais, chez moi, il serait top titulaire. Et Wehman, normalement, c'est un Autrichien. Ça. Donc, au vu des rapports, je pense que. Je suis bien moins fort que Bristol. Sur le papier. Oh l'arrêt. L'arrêt de Patterson. Je te dis, dans ces matchs avec ça, on va vraiment un peu galérer. Dommage.
Dommage, dommage. Dommage de ne pas avoir récupéré la balle. Wayman. Masengo et Williams. C'est pas le Williams de qui était à Sunderland aussi, qui était dans le reportage FX. Comment il s'appelait déjà? Andy Williams, un Gallois. Il était pas mauvais lui. Apparemment, il était pas mauvais. Ouais, statistiquement, j'ai quand même avantage à eux. Pritchard 6-1, par contre, il fait pas du tout son match. Faut que je sorte. Bien ça. Pas bien ça. Ouais, on se prend ce but. Ah, c'est Joe Williams. Ah bah ça va être lui, ouais. C'est pas Andy Williams, ça va être encore autre chose. Sinon, je sentais pas trop ce match. Après de char 5-9, par contre, je déteste voir des notes comme ça. Ça va sentir l'amende pour lui. Clairement. Ah, j'aime pas avoir des notes pareilles. Alors qu'on perd que 1-0, quoi. On perd à 10-0, je dis pas, mais. Mais là. Catastrophique le mec, il a tout loupé. Ça n'a pas envie de leur mettre titulaire. Ok, penalty, on sait pas pourquoi. Ok, je récupère la balle et il y a pénalty pour eux. Bon. Heureusement que Patterson l'a arrêté. Ouais, mes joueurs sont vraiment pas dedans. Je me mets en offensif, on sait jamais, mais. En ma défense a des très bonnes notes, sauf un peu cavaré. Bon, bon écoute. Je le sentais déjà pas trop ce match. Stock, l'équipe qui nous a éliminé en Carabao Cup au premier tour, qui est 23ème, donc avant-dernier. Bon, on devrait normalement gagner, j'espère. Tiens, il est en 19 pour ce joueur. Pritchard, tu vas te bouffer une amende. Et...
Par contre, pourquoi ça met des logos comme ça là? Je vais recharger le thème, on sait jamais. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je sais pas c'est quoi ces logos là. Je pense pas que ça change grand chose. Ah si. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Accepte son amende, ouais, 5-9 quoi. Evan, c'est pas content, ouais, mais tu joues mal. Le problème, c'est que c'est un leader d'équipe. Ok. Ah, je lui dis, tu seras joueur de rotation, il est d'accord. Ah, bah génial. Première fois que ça marche. Putain, j'intimide les joueurs, moi, c'est pas possible. Génial ça. Stock favori contre moi, bon. C'est vrai que je peux pas tout garantir une victoire pour nous. Arrivées de Rotterdam, des prêts de City. Est-ce qu'ils sont affiliés avec City? Non. CJ égale Warrior. Ok. C'est Barnsley 14 arrivés pour trace départ. 27 millions de vendus. Ah oui, quand même. Ils sont vendus qui? Callum Britain. Audro, Sibic, Kalim Styles. Je connais aucun des joueurs et ils sont vendus à pas mal cher et eux derrière ils ont pris tout ça. Ouais, ils ont fait du gros bénef. Hein. Et Bournemouth, c'est pareil, du départ. Mepham, gros défenseur de Gallois. Logique qu'ils partent. Commerce, Turc. Ouais. Steve Cook. Et Jack O'Connell pour 18 millions. 19. Ok. Ils ont pris Paulinho de Bayer, Leverkusen. Pas mauvais comme joueur, lui. Stanciu, Nicolai, le Roumain. Youjo de Bordeaux, qui a mis un doublé IRL contre Saint-Étienne hier.
Je redonne. Une caisse à spa, ils ont perdu les rougeurs. C'est normal. Callum Wilson, logique. Je vois pas pourquoi il jouera en D2, lui. Jonjo Shelvey, le chauve. Kral, Kraft, Emil Kraft, le suédois. Parti au Qatar. Et Jérémy Enga qui a. À Brentford. Donc chien concurrent. Ok. Et Sticky qui est descendu aussi. C'était pas West Brom? Je sais plus que ça passe, c'est pareil. Ah, ils ont Patrick Coutronnet. Là, ils jouent même pas. Romain Perrault, pareil, ancien Brestois. Ils ont un très bon joueur. Hein. Saïd Benrahma, Zimmermann, Liam Delap. C'est pas mal, hein. En même temps, ils ont du 30 millions Augustinsson, donc. Bon, à côté, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Ouais, j'ai des arrivées, mais c'est pour les 23 ça. En vrai, en équipe A, t'as que Cavaré et Tavares. Hein. Sinon, c'est que des prêts et deux ventes. Et un Regen qui a 16 ans qui prend déjà la place de rotation à place de Singleton. Ça fait 3 arrivées, grosso modo, si on... dans l'équipe première. Mais j'aime pas trop chambouler l'équipe. Là, Evans, s'il voulait accepter pas d'être dans la rotation, il dégageait. Hein. Tant pis. Hein. J'aurais pris un milieu défensif là, au mercato là. Et après, c'est la trêve. Ok. Et fin du mercato. Donc faut mettre la grosse team si on peut. Pritchard, faut que je t'enlève. T'as fait un match dégueulasse, je vais mettre Diamond à droite, tant pis. Tant pis, tant pis. On va le mettre là, on va voir s'il joue mieux de l'autre côté. Onien, je vais te remettre. Cavard est bon. En plus, t'es fatigué. On va mettre Boyd sur le banc. Evans, il me fait une note de 7 quand même. Ah, il augmente bien en plus. Il peut être pas mal. Xemagy, j'ai peur qu'il passe quatrième défenseur. Malheureusement. On va laisser la même défense autant qu'ils s'apprennent un peu à jouer ensemble. Petit bug. Bon allez, là faut prendre notre revanche. Là. Bien joué.
compliqué si on perd contre les 23e là, ça m'emmerde un peu. Sans une division comme ça où t'as 24 équipes, que tu joues contre le 23e ou le premier, les matchs sont aussi durs. L'équipe qui montera, ce sera. C'est tout con, mais c'est l'équipe la plus régulière. Hein. Si tu commences à faire des petites défaites par-ci par-là, déjà, tu peux dire que c'est presque cuit. Hein. Alors, je. Sans récupérer la balle. Ouais, Winchester, Valero. Diamond qui accélère, vas-y mets-la en profondeur, voilà. Stewart, tu finis, ah putain. C'est dommage. Faites attention. Déjà, mon objectif, si je finis devant Wigan, déjà je serai content. Ce sera ma petite revanche par rapport à l'année dernière. Mais ouais, putain, il y a des gros joueurs en D2 déjà. Coutronné, qui ont D2 anglaise en Ligue 1, ce serait large titulaire chez. Dans un club qui finit 5e ou 6e. C'est que tu dis que la D2 anglaise, il y a un certain niveau quand même. Ça attire de gros joueurs. Enfin, après, Coutronné, gros joueur. Normalement, il aura des bonnes stats dans le jeu. Le mec a quand même été titulaire à Milan. Donc, là, c'est Milan. Il a joué à Wolverhampton aussi. Attention. Oh là là, Loom. Il n'y arrive pas. On n'y arrive pas pour l'instant. Fletcher et Pritchard. Ah, on va chercher au moins le nul. Balle pour Sims. Qui joue pas aux Sims. Ah putain. Ah, il pouvait l'arrêter là. Odien qui fait 6-3 là, ça commence à être compliqué là parce que lui il me fait que des matchs pourris. Bon bah c'est foutu. J'avais dit je sentais pas cette période de match extérieur. À l'extérieur on est nul. On est. C'est comme cette frappe de Fletcher, on est mou. En IG, on est plus près égal. Hein. C'est dommage. Le canard s'est téléporté pour arrêter la frappe. Allez. Shit. Hein. On sent que Stock a peut-être plus d'expérience en D2 quand même. Parce que franchement, on ne démérite pas. Hein. On joue pas trop mal. Hein. On n'arrive pas à cadrer, on n'arrive pas à se créer de bonnes occasions. Je leur dis, j'ai rien à vous reprocher, ils sont démotivés. Putain, mais. Cette logique de FM, franchement.
12e. Bon, écoute, hein, on va pas jouer la montée cette année non plus. On va bien s'installer en D2. On va commencer à jouer les barrages l'année prochaine, j'aimerais bien. Pas ruiné, dans le sens, je te trouve dégueulasse. Non, pas d'amende, mais je vais te dire que t'es dégueulasse récemment. Je vais mettre Fletcher pour le prochain match. J'aurai peut-être le retour de Pritchard et Gotch. Alors, on va clôturer ce mercato ensemble. N'hésitez pas, si du monde dans le chat, à venir discuter avec moi. Un follow c'est pas fait, un me suivre sur YouTube, Twitter, les liens sont dans la bio. Venir vous poser en mode chill en ce dimanche. Bird, j'ai pas content. Merde, ça recommence. C'est vrai que j'aurais pu le faire jouer un peu plus. Parce que Patterson, il m'a fait des boulettes. Il a pas tort. Burn Move son dernier? Mais non. J'ai pas fait gaffe moi. Ils viennent de descendre de bas première ligue, ils vont aller en D3 là, cette mal. Oh là, la vente de leur gros joueur, ça leur a pas fait du bien. Ils font une Sunderland là, comme il y a plusieurs saisons, quand on est descendu en D2. Ils sont descendus en D3 direct aussi. Après Patterson, ouais, il est dans l'équipe type aussi. Ah ouais, mais ils sont derniers, j'ai même pas fait gaffe. 5 points, 0 victoire. Oh bah ça veut dire que c'est nous, on va perdre contre eux. Ça, je sens bien comme une gros comme une maison. J'en suis sûr. C'est quand même Solank. C'est pas mauvais ça. Bakaev, Poligno. Ouais, c'est ça, ils sont descendus. Oh la vache. Ouais, on va leur donner leur première victoire, c'est sûr. Ça, c'est, je sens venir ça. Ça va être pour notre pomme. Combien de temps que je live? Tac, ça fait 1h30, d'accord. Le match de rien est dans 1h. De toute façon, je vais live souvent. Dans les 2 semaines à venir, je vais être plus souvent dispo. Faut jouer aussi si je peux sortir 2-3 vidéos YouTube. Sur FM, faire des petits concepts intéressants. Faut que je trouve un petit concept sympa à faire sur FM avant prochain. Sans utiliser... l'éditeur.
parce que acheter l'éditeur pour un mois de FM ça sert à rien. À moins que l'éditeur fonctionne sur plusieurs FM, je sais pas. Je crois pas. Dites-le moi si jamais il y en a un qui verra le live maintenant ou sur YouTube dans les commentaires. Je serais curieux de savoir. Ceux qui ont déjà utilisé l'éditeur. S'il marche que sur le FM de cette année ou s'il marche sur tous les FM. Mais je crois que ça doit marcher que un FM. Tu dois le racheter chaque année, je pense. Je pense le payer le... pour le Soul 22. Je vais voir si je vais faire des petites vidéos sympathiques à faire. Alors, je trouve aussi un ou deux jeux à jouer sur PC qui peut être sympa pour échanger un peu, je sais pas. Le truc c'est que j'ai une Switch, j'ai une Xbox One, mais j'ai rien pour transmettre l'image. J'ai pas de machin là de pour enregistrer les vidéos et tout ça là. Et j'aimerais avoir, bah si j'en prends un, prendre un de bonne qualité. Donc ça coûterait 180 euros. Peut-être un jour, je sais pas. Parce que je vais faire du Mario Kart aussi. Ça pourrait être sympa de temps un peu de Mario Kart. Et sur PC, je sais pas. Sur PC j'ai Skyrim, mais je sais pas si c'est encore intéressant de jouer à ça maintenant, je sais pas. Je vais pas me retaper toute l'histoire à faire, ça va être trop long. Tout le monde la connaît maintenant en plus. Ok, j'ai titularisé plus souvent, mais t'as sortir des grosses performances. Ouais, je sais pas quoi je pourrais jouer d'autre. Des petits jeux pas trop chers et qui prennent pas trop de place, qui n'ont pas une grosse carte graphique. Tout ce que j'étais à, tout ça c'est mort, clairement. Même GTA c'est plus intéressant de jouer à plusieurs et là je sais personne avec qui jouer. Regan Minote, meilleur espoir du mois, enfin deuxième. Ah il augmente bien, hein. Il a déjà 3 étoiles de niveau. Ah c'est bien ça. Il fait une bonne saison en plus, ouais, pour l'instant. Bon début de saison. Saint-Martin, what? PB, c'est quel pays ça, Saint-Martin? Oh, c'est une île française, je suis bête. Ah, t'as deux Saint-Martin, d'accord. Ok. Caverre fait une passe D. Bon, mercato fini, on n'a pas eu de départ, de gros départ. On n'a pas trop recruté.
Ah voilà. Ça voulait pas sortir. Ah, les compos de OM Marseille sont sortis. Trois qui viennent de Montpellier, pas mal ça. Bon, je vais voir après, j'ai pas encore les compos sur Flash Score. Anciennement Flash Résultat. Ouais, je sais pas quoi jouer comme d'autres jeux qui pourraient être sympas. J'aime bien les Sims aussi. J'aime bien tout ce qui est un peu gestion. Comme FM quoi. Même les civilisations, j'ai déjà vu des gameplays dessus. Je trouvais ça sympathique, mais je me suis jamais lancé dedans. Mais les Sims, ouais, c'est sympa, après. Sims 4, c'est un peu. Ouais, c'est un peu dépassé quoi. Faut acheter tous les DLC, c'est mieux. FIFA c'est mort, j'arrête. J'ai acheté tous les FIFA depuis FIFA 7. Pas j'ai eu FIFA, mon premier FIFA c'est FIFA 7. Et j'ai pas acheté le 8, je crois. Ni le 9. Parce que le 7 me suffisait d'argent. Mais j'ai déjà joué au 8 ou au 9, je crois. Mais j'ai eu après, plus tard, d'occasion. Enfin bref. Et après, j'ai acheté le 10. 10-11 sur PS2. Le 7, j'ai joué sur GameCube. Et à partir du 12, j'ai eu la PS3. Et là, c'était génial. 12, 13, 14, et super jeu. J'ai beaucoup kiffé le 13. Je pense que le 13, c'est celui où j'ai joué le plus. Ah, j'ai adoré cette période de FIFA. Qui était à l'époque un très bon jeu. 13, 12, 13, 14. C'était bien. Après 15, 16, 17, ça commence à dégringoler niveau qualité. De mémoire. Hein. Et après 15, 16, 17, 18, et puis ça allait. 17, j'ai pas mal joué, je crois. Je crois que c'était pas trop mal. L'année dernière, j'ai pris le FIFA 21, j'ai joué. J'ai joué quoi? 2 semaines. Pendant 2 semaines dès sa sortie, après j'ai arrêté. J'ai fait une petite partie, une demi-saison avec, comment ça s'appelle, Nottingham Forest en D2, pareil, en Angleterre. Mais ça m'a vite lassé. Je suis plus le consommateur visé. Fut, ça me saoule. Le problème avec ce mode, c'est qu'il faut être H24 dessus pour avoir une équipe performante un minimum. Et je peux pas toujours être là à jouer au moment où j'ai autre chose à foutre, quoi. Et j'ai pas 10 000 euros à foutre dans l'année pour avoir des cartes convenables dans des packs de merde. On va trop foutre titulaire. On va mettre Cavares, quoi, Yann, il me saoule. On va mettre Willis. Et Burge. Il va jouer un peu. Quoique, non, on va mettre Götze. Donc ouais, la mode carrière, il le délaisse vachement, ils mettent une ou deux nouveautés pour dire regardez, on a travaillé dessus. Mais c'est bon.
J'ai arrêté. FM, ça me suffit largement. C'est largement mieux si tu fais une partie RP, tout ça. J'adore ça. FIFA, maintenant, faut l'appeler FUT 22. De toute façon, il n'y a que ça qui compte pour le mode Volta avec le street football. Là, grosse nouveauté d'année à un, mais au final, il a complètement été délaissé. Hein. Tu me diras, c'est normal. Hein, FUT, ça leur rapporte des milliards. Tout le monde dépense son fric là-dedans, bah forcément. Moi je le dis, j'ai dépensé quoi? 20-30 € dans des packs? Une fois? Pour voir. Si j'étais plus chanceux en dépensant du liquide, mais tu parles, j'ai eu que dalle donc. Tout ça pour avoir des cartes virtuelles pendant un an et après ton équipe restart à zéro donc. Ça a rien. T'as soit cette solution, soit jouer l'argent de 4 au jeu. Faire plein de matchs, plein de matchs, plein de matchs et essayer d'avoir l'équipe potable. Et bien sûr, tu dois passer tout ton week-end presque à faire 30 matchs en fut de champion, à bien rager ta mère avec des putains de scripts. Moi, c'est mon stop. Je casse plus de mètres qu'autre chose. Mais c'est que mon avis. Bon, voilà, j'avais dit que Solanke serait dangereux, on perd 1-0. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais. T'as des youtubeurs, enfin des gens qui critiquent un jeune 4 le jeu et qui continuent à y jouer quand même. Tout ça parce que c'est un jeu qui est très regardé, très populaire, donc voilà. Moi, je veux pas jouer à un jeu parce que tout le monde y joue dessus et tout, et que c'est un jeu beaucoup regardé. Hein. Moi, je joue au jeu que j'ai envie de jouer, c'est tout. Par contre, là, ça me gavait. J'étais sûr que ce match, j'allais me le faire avoir. Je vais leur donner la première victoire. Donc voilà, FIFA, c'est fini pour moi. Et puis PES qui est repassé gratuit, qui s'appelle eFootball, je crois. Pourquoi pas, après, qui dit jeu gratuit, dit il faut bien payer quelque part dans le jeu. T'as bien des transactions quelque part, même si PES, c'est pas sa politique. Hein. PES a toujours eu le potentiel de rattraper FIFA, mais je sais pas, ils ont jamais réussi à franchir le cap. C'est dommage. Parce que je trouve que c'est pas un mauvais jeu en soi. Hein. Parce que j'avais testé les démos et c'était franchement pas mal. C'est une autre sensation de jeu, quoi. C'est. Après, c'est peut-être moi en vieillissant qui passe plus sur un jeu plus posé comme FM, donc je sais pas. Ouais, on s'est fait éclater dans ce match. On est 15e, putain, on dégringole. On a vite dégringolé là. Ah, ça fait 3 défaites d'affilée, hein, ça va vite. Hein. Aïe 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 aïe, putain, on perd contre les derniers. Quinzième, aïe, j'aime pas. Après 15e, ils sont contents. Si je suis 15e, mes gars sont contents. Donc ça va. J'ai de la marge. Mais là, c'est compliqué, on va dire. Trois matchs que je joue et je marque pas. Au bout d'un moment. Fletcher 6-3, bon, on va voir que tu travailles. Ah, j'aime pas ça donner des premières victoires à des équipes qui ont pas gagné depuis 8 matchs. Bon bah luttons maintenant au 23e. Super.
Tac. Allez, je vais organiser une réunion avec les joueurs. Bonne idée. Il n'y a pas de raison valable. Ok. Faudrait savoir. Il a fait combien Burge au dernier match? Tiens, pour voir. 6-6, ouais. Non, j'aime bien jouer à des jeux d'aventure. Déjà, The Witcher 3, j'ai beaucoup aimé. J'ai joué à Red Dead Redemption 2. Les Assassin's Creed. Valhalla, j'ai pas joué. J'ai pas joué. Est-ce que je le ferai un jour? Je sais pas. J'ai fait Origin, Odyssey, Black Flag. Pas les premiers, j'ai pas fait. Un jour, si j'ai moins d'enregistrer sur ma Xbox ou sur une autre console que j'aurai, peut-être que je ferai des petits let's play en live ou sur YouTube, je sais pas trop. Pour l'instant, je suis concentré sur FM et puis ça me suffit bien. M, Cavalry, on va mettre Onien. J'ai envie de mettre Bridge, écoute. Pour moi, ça c'est le milieu titulaire. Jamon, Stewart. J'ai joué à quoi? Metal Gear Solid 5, pareil. J'ai plutôt pas mal aimé. Après, j'ai jamais joué à Metal Gear avant parce qu'on me l'avait offert. Attends, j'ai pas les compos. Oh, tant pis. Je vais jouer à quoi aussi récemment? Far Cry 5. Pas accrocher des masses non plus. Le 6 vient sortir bientôt. Est-ce que j'achèterai? Je sais pas. Bienvenue à toi, celui qui sur le live. N'hésite pas à venir chatter avec moi. À me follow. Si t'es jamais encore là. À me dire pour quelle équipe tu supportes. Aïe 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 aïe, on va perdre contre tout le monde. T'es la première minute, super. Et puis comme je disais tout à l'heure, j'ai joué à Skyrim aussi, les Sims j'avais joué à une époque aussi, le 2, le 3, le 4, le 1 aussi, oui ça j'ai joué au premier aussi, quand j'étais gamin, j'adorais ça. Il y avait des Sims aussi sur GameCube, j'avais ma GameCube qui était ma deuxième console, j'ai joué en 2003. Superbe console, j'ai passé des heures dessus. Avec Mario Kart, c'était le feu ça. Ma première console c'était la Super Nintendo, si je dis pas de bêtises, avec le premier jeu Mario en 3D. J'avais jamais fini le jeu je crois, mais j'ai passé pas mal de temps dessus. Putain, on ne montre rien contre les 23e, s'il te plaît. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas marqué, ça commence un peu à m'emmerder là. Putain,
Efficacité offensive, mais zéro quoi. On est zéro pointé. 6-3 encore. Putain. God, je peux le sortir. Il fait 7-10 dans son match. Je peux pas le sortir. C'est chiant, putain. Jamon est transparent, Stewart est irrégulier. Je vais essayer un truc. Jamais ça d'habitude, mais là on va le faire. Un match de retirer l'expérience, si ça marche pas, ça sert à rien. Bah, tu vois, je suis censé avoir le pied sur le ballon et pff, regarde comment il se balade le mec. Oh là 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 là, on est nul, on est zéro, mais zéro. 4 matchs qu'on n'a pas marqué, 4 putains de matchs. Et pourtant, on a toujours des bonnes stats, on a plus d'XG que nos adversaires, donc à un moment, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Putain, ça me saoule. Zéro? Ouais. Pff, ça joue comme le Barça. Premier but de la saison du mec, je suis sûr, il est nul à chier, mais il met des buts. Que compte moi? 3 buts marqués au 90 XG, enfin bref. Cette façon de montrer qu'il y a encore du travail, non, sérieusement. On perd contre le 24ème et le 23ème, le dernier, l'avant-dernier du championnat, c'est très bien. À ce rythme-là, on va prendre leur place. Hein. Ça, je peux vous le garantir. 4 matchs qu'on marque pas en plus, ça c'est top, top moumoute. C'est super. Jamon transparent. Décisif sur aucun match. Pourtant, dans le rapport, ça me dit 3,5 de niveau actuel, presque full potentiel. Mais pff, son niveau, il est transparent. Gotch, il est bien débuté, mais là, il faut rien. Pritchard, c'est l'ombre de lui-même. Stewart a retrouvé son élégance. Irrégularité. Willis Flanagan, ça se prend 3 buts. Il semble vraiment. Voilà. Odion, il commence à me faire chier. Et je déteste modifier une tactique en pleine saison comme ça parce que les mecs ils sont perdus. Franchement, vu des stats, j'ai vraiment pas de bol. Enfin, je trouve, hein. Je suis pas de mauvaise foi, mais. C'est pas comme si j'avais deux frappes 0 carré dans le match à chaque fois. Je rivalise quand même. Mais on concrétise pas. Je comprends pas. Newcastle. Grosse équipe, pareil, Xemagly, allez, ça se plaint. Xemagly, je comprends qu'il va se barrer. Hein. Mais il traite de jouer. Hein. Et là, j'ai pas de place pour lui.
Ça fait bientôt 2 heures que je live, putain, ça passe trop vite. Alors, enfin les compos, voyons que. Les compos de Marseille-Rennes. Match à 17h. Alors, Marseille, Lopez dans les buts. Mandanda, il est sur le banc maintenant. Pérez, Saliba, Lirola. Balerdi, un milieu Gendouzi, Pape Gay, Under, La Fuente, Djeng, Payet. Grosse team. Hein. Il remet Djeng, forcément. On va voir s'il va arrêter un aussi gros match comme contre Monaco. Et Rennes, côté Rennes, Gomis dans les buts. Il retrouve sa place. Défense Badé à Guerne, classique. Meling retrouve son côté gauche. À droite, ça va être Traoré, oui. Hugo Chonkou au milieu avec Santa Maria et Florian Thay. Bourigeau bon, Guirassy à bord, ok. Sous les manas sur le banc, j'aimerais bien le voir un peu plus titulaire, lui. Sinon, c'est que des jeunes sans formation. Il y a Omari, Chaouna, Matistel, Truffert, Rassignon, Abline. Il y a Jonas Martin, expérimenté, sur le banc. 1-1 entre Clermont et Brest. Ok. Hugo Chocou, ouais, pourquoi pas. Il est jeune, il a 17 ans le gamin. Fabien Tay, il est pas mal en ce moment, il joue pas mal. Santa Maria, c'est pas trop mal non plus, mais il vient derrière dans l'équipe. Il n'y a pas de Terrier, je crois. Je crois qu'il est pas là. Il est blessé ou je sais plus ce qu'il a. On a Gaëtan Laborde, Guirassy. Bon, ça devrait faire normalement. On peut avoir un bon match sur le papier, largement. Et en résultat, je vois bien un 2-2. 1-1-2-2, quelque chose comme ça. Bon, bah, on va mettre cette team. Écoute, on verra bien. Stewart. C'est censé marquer plein de buts, ça. Ouais, 7 buts en 11 matchs, ouais. Mais... Parce qu'il a mis un triplé et un doublé, et voilà. Hein. Ils ont Mavi Didi, ils ont Flavien Thay justement, Longstaff, Wang Yi-Chan, je crois que j'ai vu quelque part lui. Lokman sur le banc, William Cyprien, Jean-Louis Daoulou. Déjà quand tu connais plus de joueurs de tes adversaires, c'est que c'est pas mon signe. C'est vrai que l'équipe est plus forte. Mais ce match-là, on est capable de gagner 3-4-0. C'est là la magie de la championship, je vais dire ça, ça je vais perdre 4-0, mais j'aimerais bien mettre au moins un but, ça serait sympa. Parce qu'on se fait chier depuis tout à l'heure. C'est pas passé loin. Avec mes adversaires qui ont le droit de marquer après une minute, pas moi. Oh, j'ai cru la boulette. Et non, l'action va être pour eux. Allez, hop, petit dribble, hop, le poteau. Ouais, donc on a de la chance. Ah, blessure de Wang. Aïe 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 aïe. La session a pas été terrible de toute façon.
Peut-être qu'il faut que je change d'approche, de mentalité, peut-être, je sais pas. Oula, 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 oula. Faut pas te prendre un but de gag. Mais je sais que mes joueurs, ils ont la capacité de gagner des matchs, mais... Statistiquement, franchement, on n'est pas à la rue, ça le truc. On va bien Tavares. Mais voilà, on n'est pas tueur dans le but. Pas bon, et voilà, c'est moi. Il n'y a pas de passe dé qui compte, c'est à dire que le goal l'a arrêté, il a relâché la balle, il l'a redonné au joueur. Ah non, y a pas de passe dé qui compte, c'est bizarre. Sur un seul T carré, forcément. C'est le jeu qui veut te déstabiliser, qui te disent tranquille mon gars, tu vas pas jouer à monter tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Tout seul. Pourquoi il est tout seul? C'est pas normal. J'ai des ailiers normalement qui sont censés être là. Putain. Gutsch, vu qu'il veut pas, il a pas son contrat, il fait que de la merde. Pritchard 6-10, mais ces notes-là, c'est n'importe quoi. Bon, j'en prudent, de hein, toute façon, pour l'instant positif, on va faire quelque chose. Hein. 19e, allez, donc. Oh, 6-30, Stewart, 6-30. Faut bien des saisons comme ça, un peu difficile, un peu dur. Un peu de difficulté parce que c'est bien beau de toujours gagner, mais bon, faut pas oublier que je viens d'être promu. Hein. Toi, 7 tirs à 12, bon voilà, après c'est Newcastle. Hein. Mais on a toujours pas marqué. 5 matchs qu'on a pas marqué. Ça me gave. Ah, c'est un derby, c'est vrai que c'est un derby en plus. Et QPR, je les bats, ou je suis nul contre eux, et eux ils mettent 4-0 à Burnmouth, quoi. Qui sont dans les derniers. Ah, je les perds 2-1, d'accord. Je crois que j'ai fait nul. Putain, mais c'est quoi cette équipe de merde? Ah bah je vais devoir sanctionner un petit peu quand même. Toi tu te prends une semaine. Stewart, tu vas te prendre une semaine, parce que pareil, c'est pas normal d'avoir des joueurs de ce calibre-là qui savent pas marquer un but. Sur 5 matchs. Gotch est pareil. Tiens, le voilà ton nouveau contrat.
Putain, c'est relou ça, à force. Tant Stewart ou Fletcher, je mets l'un comme l'autre, ça change rien. Pritchard, Winchester, c'est pareil. Tavares, c'est seul à faire le taf, limite. Willis Evans, ouais. On va remettre Flanagan. Je peux pas faire mieux. Hein. Attends, attendez, je regarde un truc, deux secondes. Mais l'œil, ouais. Bizarre ça. J'étais déco? Oh, c'est bizarre. Ce mec chef depuis 20 minutes. On fait ce match là, puis j'arrête direct après. Donc j'upload la vidéo, je mets la miniature, je l'upload sur YouTube. Oh, que ça passe en plus, putain, ça va être dur. Qui augmente, ouais. Est-ce que c'est parce que j'ai pas. J'ai quoi en diplôme? Continental A. Ah, est-ce qu'il faudrait pas que j'ai le pro? Écoute. Réputation nationale. Je compare un peu. Bon, ah bah, Villas-Boas aussi. Je prends 1000 wall. Pro national. Je suis national aussi, mais j'ai pas pro. Alors est-ce que ça joue un peu? Écoute, on va passer le diplôme, on va galérer une saison, et puis dès que j'aurai le diplôme, ça devrait aller mieux. Et ils veulent pas. L'équipe ne répond pas à nos attentes. Pardon. Lutter courageusement pour ne pas descendre. Bon, en coupe, je me suis craqué, mais. Enfin, ils se sont craqués. Mais bon, je suis deuxième pour l'instant. Hein. Si je viens de conquérir sa palace par miracle, on sait jamais, bah. Je peux remonter 15ème. Voilà. Si on finit 15ème, c'est très bien. Ah, parce que en ce moment j'ai fait une grosse série de défaites, ça a pas dû lui plaire, à Kirill. Ça a pas dû plaire à Kirill. On va faire ce match et puis je vais arrêter direct après. Petit live du dimanche. Cette équipe premier fournisseur du joueur pour l'équipe d'Angleterre. Anderson, Pickford. C'est vrai que j'ai. Ah, Anderson est formé à Sunderland, ça je savais pas, tu vois. Bon, bah on va partir avec l'équipe que j'ai faite normalement, s'il n'y a pas de... Non, ça va. Attends, pourtant, c'est pas dégueu. On va partir en contre, parce qu'on aura clairement pas la possession. Puis voilà. Hein. On va croiser les doigts, croiser les doigts de pied aussi. On va prier. Ça passe pour bien finir le live. Ce serait bien de marquer au moins un but parce que 5 matchs sans marquer, c'est bon. On n'est pas l'équipe de Saint-Marin non plus. Hein.
3 de l'app Wilfried Zaha. C'est que 9ème. Faudrait peut-être pas que je joue en positif, faudrait peut-être que je joue en contre une saison. Je vais peut-être essayer comme ça. Le temps qu'on s'adopte un peu. Faut peut-être que je fasse ça. Ok. Pourquoi il passe pas la balle, je ne sais pas. Le mec il s'est cru trop chaud, il bouge pas. Oh là 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 là. Pritchard il commence bien, il bouge pas son cul. On tient, même on a la possession. Mais ça veut rien dire, attention. Attention. Oh là là. Ah, le penalty. Allez, hop. Putain. Ah, c'est reparti. Un tir carré, un but. Allez, ça recommence. Ouais, tire pas, ouais c'est ça, faites des passes, ça marche bien dans le jeu pour marquer, surtout des centres, visez les côtés, voilà, est-ce qu'on va marquer? Oh, on a marqué, incroyable. Fallait attendre le 6ème match pour marquer quand même, incroyable. Ça a été la session de FM le plus ennuyant du monde. Qu'est-ce que je suis un bon coach quand même. Je suis resté en contrée, je pense, pour l'instant, sur tous les matchs que je vais faire, parce que... Positif, on n'est pas censé avoir le pied sur le ballon cette saison. On est inférieur sur plein d'équipes. Techniquement, mentalement, physiquement... Malheureusement, pour l'instant, en période de rodage, on est deux. Attention, putain. Bon, le miracle n'aura peut-être pas lieu. 20ème. Allez, c'est fini. Oh là 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 là. Pritchard 6-3, il va dégager de l'équipe. Ouais. On a fait une remontada en début de session, on perd en 4-0, on venait à 4-4 et puis là... Une catastrophe. 6-3, Stewart, c'est sa petite note habituelle. Il fait que du 6-3 maintenant. Mais que ce soit lui ou Fletcher, c'est pareil. De toute façon, ça change rien. Allez, on perd 4-1. Allez, but refusé. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Hors jeu. Ouais. Et au moins, on a mis un but, c'est bien. C'est bien. 14 tirs à 5. Après, vu que je leur laisse un peu, vu que je suis en prudent, c'est plus la balle. Bon, bah c'est bien les gars, allez, entraînement de main. Non, je suis désolé. Ils sont 9ème, ils étaient prenables. Au moins pour faire un nul.
Bon, bref, on verra ça demain ou je sais pas quand. 20e, c'est bien. On est dans la sauce, clairement. Très bien, on n'expérimente pas. Je suis en 4-3-3 qui est un milieu défensif, arrête. C'est une compo plutôt défensive qu'offensive. C'est pas un 4-2-3 qui est un milieu offensif. Hein. Toi, je vais te dégager. Pritchard, tu me fais chier, mais un point. Le mec, il... Putain, mais. Je sais pas si les amendes ça change quelque chose. Ah, j'ai déjà foutu une amende. Vas-y, attends, je vais faire vite fait la compo. Qui c'est qui était nul? Tout le monde, ouais. Flanagan 7 quand même. Patterson 6-4. On va mettre Burge. On va mettre Evans. Ah, mais il y a eu 7, hein, tu vois, c'est quand même pas comme si on était dégueulasse. Hein. Mantaras 6-6, Pritchard il sort. L'autre Pritchard fait 1, Curtis 6-2, c'est pareil. 6-2, c'est inacceptable. On va remettre Jamon, mais Jamon c'est pareil, ça va être nul à chier. Gotch, tant qu'il fait la gueule, et bah, il va aller sur le banc. Puis voilà. Un peu de sel en fin de vidéo, mais bon. C'est qu'un jeu. Ça, on aura fait tout ça aujourd'hui et ouais. Un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. C'est bien. Fallait juste rester au début de live. C'était bien. Après, là, le fin de live, milieu fin de live, c'est pas terrible. Après, on a Birmingham, Swansea, 3ème, 5ème, 6ème. Bah oui, on a perdu contre les derniers, donc forcément, il nous reste le plus gros. Forcément. Attends, assis comme ça, tac. Tac. Bon bah voilà. Bon bah merci à tous ceux qui ont suivi le live. Enfin qui sont passés du moins. Prochain live, soit demain ou après-demain. Je sais pas quand. On continuera la saison, on verra si on va remonter la pente. Hein. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Mais bon tant pis. C'est comme ça. Il faut un peu de difficulté dans le jeu. Bon allez, je vous dis à plus.